Yo les refs, c'est Daizen, alias le vieux du game. Bah oui, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. C'était un peu gênant ça. Dites-moi en commentaire comment ça va depuis le temps. Vous avez eu des enfants? Vous vous êtes pris une épine dans le pied? On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'animé. Comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais... Aujourd'hui, je vais vous présenter des animés sensationnels que vous allez tous kiffer. Donc mettez un pouce bleu et conseillez-moi un animal à imiter pour la prochaine vidéo. Ouais, on est dans le thème là. Bon, comment est-ce que je peux commencer cette vidéo? Avec quelque chose d'autre qu'une masterclass du nom de Solo Leveling. Pour ceux qui ne connaissent pas Solo Leveling, il s'agit de base d'un novel qui a eu son adaptation en webtoon et qui a tellement bien marché qu'il a eu le droit à son propre animé, ce qui est extrêmement rare pour un webtoon. Et en gros, on est dans un animé avec des portails où sortent des monstres, avec à côté des chasseurs qui sont là pour fumer ces monstres et donc fermer les portails. En gros, c'est ça. Et nous, on va suivre l'histoire de Sung Jin-ho, considéré comme le plus faible des chasseurs de l'histoire, qui va, après la découverte d'un double donjon de rang SSS, avec son équipe, se faire abandonner et par la suite éveiller le système, pouvoir lui permettant de devenir plus fort continuellement. Chose qui, je précise, est impossible pour les autres chasseurs, peu importe leur niveau. Et donc on aura ici un animé avec un protagoniste ayant du flow. Mais vraiment, pour avoir lu le manhwa, je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt. Les scènes de combat de l'animé sont vraiment bien faites, sans parler des OST de fou. Bon, je suis loin d'être un puriste, mais je trouve quand même que le manhwa est au-dessus au niveau du design du protagoniste. Et encore plus au niveau du flow. Mais franchement, même comme ça, l'animé reste incroyable. S'il y a bien un animé à regarder cette saison, c'est celui-là, chef. Donc fonce. Normalement, tu peux retrouver la saison complète sur Crunchy. Bon, maintenant que je vous ai présenté une masterclass, je vais vous parler d'une deuxième masterclass. Susu no Frieren, qui est l'un des meilleurs animés de cette saison. En gros, on va suivre dès le début un groupe de héros qui, après avoir vaincu le roi démon, se retrouve sans objectif. Et donc, suite à ça, notre protagoniste, qui est une elfe, va partir en quête de découverte de nouvelle magie et peu à peu perdre ses anciens camarades, puisqu'en tant qu'elfe, elle a une durabilité bien plus conséquente que ses amis. Donc là, on sera direct dans le bain, dans le sauna accompagné d'un tacos 3 viandes. Oui, je dis ça parce que j'ai faim. On aura une œuvre tant intéressante dans le fond qui, dès le début, t'amènera à une réflexion pertinente sur la situation de notre protagoniste. Et derrière une animation et des combats époustouflants, ce qui n'est bien évidemment pas choquant puisque l'animé a été réalisé par Madhouse. Donc Hunter x Hunter, tout ça, tu connais. Et vous avez de quoi vous tenir en haleine pas mal de temps, puisque l'animé compte actuellement 26 épisodes de pur kiff, même s'il met un peu de temps à se lancer. Ah, vous voyez, je disparais pendant des mois, mais je reviens avec des classiques. Pour continuer, imaginez une petite fille qui rêve de devenir sorcière. Mais... j'ai bien dit mais... ouais, c'est un même mignon. Une fois transportée dans un monde magique, découvre que les contes de fées ont oublié de mentionner les petits détails, disons, ennuyeux, comme le fait que les sorcières ne sont pas toutes sympas. Et du coup, cette fifi, elle va être déterre à changer les choses. Notre héroïne va tenter d'appliquer ses idéaux en utilisant la subtilité d'un éléphant dans un musée. T'as capté l'image. Et donc, lors de son aventure, Arusu apprend rapidement que la bonne volonté, bah, ça suffit pas toujours pour triompher. Mais heureusement pour elle, elle va être accompagnée de deux sorcières qui sont ses opposés polaires. Une, disons, assez tranquille, pacifique, et l'autre convaincue que le combat et la domination peuvent régler tous les soucis. Ensemble, ce trio de fous, je peux même dire ce trio de fous furieux, va réaliser une véritable aventure avec divers problèmes à résoudre à leur façon. Bon, franchement, le côté amitié se lit très bien avec l'aventure, car bah mine de rien, l'anime te délivre subtilement un véritable message, et l'œuvre en elle-même est assez différente de ce qu'on peut voir dans le même style habituellement. Donc à regarder, si tu le veux bien sûr, je ne te menace pas. Et pour terminer, je vais vous parler de Ragna Crimson, animé dans lequel je suis à fond dedans, et je peux vous assurer qu'il est juste phénoménal. En gros, on va suivre un personnage du nom de Ragna, qui n'a aucun pouvoir et est accompagné d'une chasseuse de dragons avec qui il est ami depuis un bail et qui est réputée pour être surpuissante. Mais suite à un incident, Ragna va éveiller des pouvoirs surpuissants et par la suite s'éloigner de son ami afin de la protéger dans le but d'éradiquer les dragons dont certains sont vraiment balèzes. Bon, j'ai vulgarisé, mais c'est surtout pour pas vous spoil le début qui commence très fort. Tu seras dans l'action directe. L'animé, c'est vraiment une masterclass. L'animation est exceptionnelle, les OST et surtout l'histoire. Je dirais même que c'est un des rares animés que j'ai pu voir avec une telle qualité scénaristique. L'anime est constitué de 24 épisodes que tu peux retrouver sur ADN ou sur des sites assez bizarres, mais j'en suis pas responsable. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, même si Daizen est devenu vieux. N'hésitez pas, comme d'hab, à me conseiller des animaux à imiter, vous connaissez, et surtout n'oubliez pas, Daizen est un escroc.